Eh bien, salut, c'est LB, c'est Ryzik. Je te propose un petit défi donc sur UHSC Games qui consiste à gagner un 2v2 rush. Donc, je serai avec toi. Et on verra bien ce défi sur la vidéo. Alors, est-ce qu'on peut bouger le lit déjà? Je crois pas, non. Bon, j'aurais Minecraft ici, c'est le B35, désolé pour l'intro brutal. Pour un petit défi Minecraft tranquillement, donc je suis en compagnie de Ryzik avec qui on avait déjà fait, et vous pouvez le voir en ce moment même, un magnifique Fallen Kingdom, que j'oublie les noms des jeux que j'ai joué, magnifique. Aujourd'hui, donc, je me fais un petit défi, c'est en compagnie Bonjour, voilà. Le retard. En compagnie de Ryzik, essayer de gagner un rush contre des gens qu'on ne connaît pas avec quelqu'un que je connais. Toujours plus fun quand on est avec quelqu'un qu'on connaît en Skype. Et on est sur un serveur. J'ai des gros lags. Ouais, oula. Oh, là. On est sur le serveur qui s'appelle UHC Games. Donc UHC pour Ultra Hardcore. Ce qui fait que nos cœurs ne remonteront pas. Cependant, évidemment, on pourra réapparaître en cas de mort. Ça, c'est pas un problème. Mmh. Moi, j'ai pas mal l'habitude des rushs, mais j'ai pas non plus des techniques de fou. Je suis vraiment au truc de base. Oui. Attends, je construis juste ça. Je sais juste qu'il faut monter en l'air et puis après. Mais il faut détruire les adverses et les tuer juste après. Ouais, après. Ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire pour le plafond. Faut utiliser de la TNT, c'est très efficace. Et je me dis que. Ce serait une bonne idée de le faire avec une pierre un peu plus solide, genre la pierre de la fin. Exactement. Je pense qu'en français on doit avoir une traduction magnifique aussi. Je sais pas. J'ai le genre en anglais. Ça va être un peu long. Attends, hop. Tout le toit comme ça en stone. On va en attendre pas mal. Mais bon, c'est le jeu, comme ça on accumulera d'autres ressources qui nous permettront de nous faire les arcs et tous les trucs utiles, ma gueule. Tiens, prends ça. Dans ma face. Attends, je mets des trucs dans le coffre parce que j'ai fait des trucs en trop. Ah bah j'ai deux d'or, c'est déjà bien. Les deux d'or, ils vont dehors. C'est tu sors. Si j'utilise la stratégie de base de faire péter le toit à la TNT, ils seront une drôle de surprise. Tout à fait. Oh, j'ai vraiment des gros lags, je sais pas si c'est mon ordi ou qu'est-ce qui se passe là. Mais... C'est des lags genre freeze. Ouais, c'est ça. Ouais, des freeze, ralentissement, etc. Ouais, ça doit venir de ton PC. Ouais, bon, je sais pas pourquoi. Peut-être, je sais pas, c'est une question de version, c'est compatible 1.7, 1.8. Moi, je suis en 1.8 et j'ai pas de problème donc. Moi, je suis en 1.7.10. Ouais, voilà, c'est souvent il y a des problèmes. Bah, l'optimisation a été grandement améliorée en 1.8, donc je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que là c'est vraiment horrible hein, les freeze. Je me tape des freeze. Merde. J'ai fait une petite bêtise là. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis un cube de sandstone devant un PNJ. Ah bah. Ouais. Si on n'avait pas acheté la pioche, par contre on était grave dans la main parce que c'est celui-là qui nous donne les pioches. Parce que... Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire cette erreur grossière. C'est une grossière erreur. Ouais. Je vais peut-être aller commencer à rusher moi. Vas-y. J'ai des cubes moi perso, donc je vais commencer. J'ai un peu à bridger. Ah. Ouais bon, si tu y vas. Je vais organiser mon inventaire. Ça rien d'y aller. Je vais rester ici un petit peu, faire mes ressources. Puis après, quand tu auras fait un pont d'une taille suffisante, je te rejoindrai pour le combat. Mm-hmm. Hop, j'ai déjà ça, donc je vais sans doute pouvoir me faire l'arc. Ouais, ils ont fait un truc en face, tu dois voir ça. Ça fait quand même un truc bizarre en face. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois, bon. Pourquoi pas. Hein. Écoute. Alors là, si j'en touche un, c'est... Ouais, non, pas du tout. Ah, faut que la prochaine fois, je me mette en impro-hit parce que... Ouais. Il y a eu des optimisations côté client, et si t'as des prix, c'est surtout ça, ouais. Les chunks ont un peu du mal, sans doute.
Là, je suis en train d'avancer un peu sur le pont. Est-ce que t'as déjà assez pour une TNT par hasard? J'ai acheté l'arc donc. Je fais une connerie là. D'accord. T'as pas dormi? Ah merde. Ah bah félicitations, je suis tout seul. J'ai fait la connerie là. Ah la connerie ultime, bon. Ça nous est tous déjà arrivé donc. La précipitation. C'était gentil, ouais. Ah, j'aurais dû te le rappeler. Ouais. Écoute, je vais rapidement me déconnecter pour venir en 1.8 parce que c'est horrible. Ouais. C'est totalement horrible. J'ai 3 TNT déjà, et de quoi l'allumer. Et de quoi finir le toit en endstone. Tu es tout seul? Je suis tout seul et je pense que je vais quand même bien gérer. Car je suis plutôt bien parti et je suis plutôt efficace là. Oui, tout à fait. Écoute, ça charge toujours. Ouais, les chargements par contre sont un peu plus longs. Ah, 1.8. Voilà. Écoute, c'est bon, je suis là. En tant que spectateur? Je reviens. C'était Rush, hein. Rush 5. Vérifier ce qu'ils font les autres. Ils ont pas l'air d'enchaîner, ils sont plutôt tranquilles, ils sont calmes. Ok, d'accord, j'ai perdu mon skin complètement. Oui, il y a des changements au niveau des skins en 1.8. Faut faire gaffe à ça. Le passage de la 1.7 à 1.8 est un sacré événement et faut pas y aller à la légère. Ouais, mais d'ailleurs, j'aimerais faire un skin donc c'est pas grave. Je peux te dire que les bleus ils viennent te chercher. Ils viennent me chercher? Mais ils sont déjà en train de construire un. Ils sont en train de rusher, ouais. Un chemin. Ouais, faut absolument que je change ce skin parce que c'est horrible. Ah, voilà, ils ont eu peur de mon arc, ils se replient. Faudra en refaire un après, je suppose que. Moi, je propose d'en refaire un après. Et que je dorme dès le début, je sais pas. Ouais. Mais bon, pour le défi, vous ne verrez que cette partie, viewer, je suis désolé, hein. Je dois gagner tout seul, la tristitude. Oui, parce que Rizik est trop bon, parce que... Voilà, parce que tu es trop fort, c'est pour ça. Il se calme. Je vais mettre l'or au coffre au cas où. J'ai essayé de me faire un meilleur équipement maintenant. Une bonne idée. Je peux voir si on peut ouvrir les coffres, tiens. Ouais d'accord, ils ont quand même beaucoup de bronze. C'est dans ce PNJ là, donc on a les armures. Hop, level 3. Et je remets tout le reste en sécurité ici. Qu'est-ce que j'aurais en trop? Rien du tout. Prendre ça moitié de ça pour me faire quelques blocs. Et les bleus arrivent. Hein. Les bleus arrivent. Ouais. Ah. Oui, je l'ai eu. Ils se replient, ils ont peur. Je crois qu'ils ont un arc aussi, non? Mauviette. Bon, je débloque. Je vais essayer de sécuriser le bridge parce que. Mine de rien, ça peut être dangereux avec les arcs. Ouais, lui aussi a un arc, hein. Le bleu aussi a un arc. Oh là, oui, en effet. Je suis vraiment mort con, moi, quoi. Pas avoir dormi, c'est vraiment très con. Tout seul contre deux, ça va être un peu compliqué, si je puis me permettre, les amis. Ok. Je regarde toujours ta partie là. Ouais, les bleus ils sont là.
Ah, je lui ai envoyé une flèche dans sa face. Et on est en ultra hardcore, je vous rappelle, hein, je l'avais dit rapidement au début de la vidéo. Mais les cœurs ne remontent pas. Tout simplement. C'est ça. Donc la moindre flèche peut être très dangereuse pour l'adversaire. La moindre flèche qu'on lui met. Oh là là là, en parlant de flèche, aïe! Oh là là! Oh! Wow. Bon, je crois que j'ai perdu la TNT. J'essaie de revenir rapidement sur le bridge quand même pour voir, pour récupérer. De quoi ils t'ont poussé en vide? Ils m'ont sauté sur mon bridge et donc du coup il y a une partie du stuff qui est tombée. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La TNT n'est plus là, mais au moins le briquet est là donc. C'est mieux que rien. Tout à fait. Et puis j'ai de quoi me reprendre le briquet directement donc. T'as de quoi t'as refaire un arc aussi, t'as trois. Non, j'ai de quoi faire pas mal de TNT. Hop, 4 TNT. L'arc à ouest. Non, c'est bon, je l'ai l'arc. Oh tiens, l'appel a coupé, c'est dommage. Allô ? Mais allô, c'est moi, je viens. Voilà, putain. Oh ! Ah, ça se fait pas ! J'étais en train de rappeler Isaac. Allez, dépêche-toi, ça spawn ! Waouh ! Hey ! Spawn kill. Ah non, mais là, c'est pas possible. Elle va arrêter hein, parce que là j'aurais jamais à la. Je l'ai eu à la main. XT. Ouais mais y a l'autre bleu qui arrive, mec, regarde. Ah oui, en effet. Il est là, il arrive. Oh, sérieusement. En fait, t'as combien de cœurs? Bah, je suis mort et il va me retuer en boucle comme l'autre, là. Allez, bande de connards. C'est assez chiant, quand même. Il y a une TNT, je crois. Oh, punaise. Allez, au revoir. Le lit encore intact. Le lit. On croit rêver. Il va poser une deuxième. Non, punaise. Pas te faire foutre. Et allez, voilà, partie terminée, bande de... Vous êtes vachement fair play, les mecs. Franchement. Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Et pourquoi je draine à 2 FPS, là? Je sais pas. Pourquoi j'ai un freeze complet? Pourquoi Minecraft Apo 8 ne répond pas? Alors, attaque moi là tout à l'heure. Waouh. Je vous donnerai mon avis en commentaire concernant le fair play de ces gens-là. Allez, je rage un peu, mais bon, c'est moyen quand même. Enfin, félicitations à eux. Donc sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.